à 21h05, c'est-à-dire ce soir. Lou Denis Lyon, qui est votre personnage, justement, cet avocat Mathieu Collina? Donc Mathieu Collina, c'est un ténor du barreau. C'est un personnage assez génial parce que il va utiliser toujours des méthodes complètement improbables pour convaincre les gens, que ce soit dans son métier ou dans sa vie personnelle. Donc il est prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais il est sympa ou il est pas sympa? Il est super sympa. Ouais. Il est super sympa, mais il peut aller un petit peu trop loin des fois. Mais ça peut aussi être un goujat. Votre première rencontre avec Clem est assez romantique, quoique ça se passe à une fête, vous tombez dessus par hasard. Il y a un petit baiser, on écoute la suite. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous appelle un taxi. Ah bon, on s'arrête là? Bon, tout à l'heure, on se connaît à peine, on va pas précipiter les choses. Ouais, d'accord. Ouais. Non, puis vous avez trop bu, ce serait pas correct de ma part. Ah non, mais faut arrêter avec ça, je n'ai pas bu, d'accord? Enfin, quasiment pas, je suis pas du tout ivre. Non. Et oui, donc ça démarre très fort, les deux personnages s'embrassent vite, je l'ai dit, mais Clem même voudrait aller plus loin, l'entendu, votre personnage veut pas. Tout ça pour lui sortir, je vais pas tout spoiler, mais quand même une blague de très mauvais goût quelques épisodes plus loin. Est-ce que c'est un goujat ou est-ce que c'est un gentleman? Il sait pas trop, je pense. Justement, c'est un personnage, on sait pas encore dans les premiers épisodes quelles sont ses motivations à être dans la ville de Clem et de toute sa famille. Et donc je pense que au début, c'est un peu une façade, en fait, tout ce côté extravagant. Et il va s'y perdre, en fait, justement, pour notamment les raisons qui l'ont fait venir dans cette ville. Donc, sans être un goujat, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, qui a des faiblesses, tout simplement. Et oui, c'est son côté, voilà, un petit peu taré, c'est sans doute une façade.